L'Association des personnes handicapées visuelles de l'Estrie a tenu un petit rassemblement ici, mardi, à l'intersection des rues King et Wellington, pour sensibiliser les gens au bon usage des feux sonores. Utile aux non-voyants, le signal auditif peut être nuisible, cependant, au voisinage, si les passants l'activent par inadvertance. C'est très important que les gens connaissent les feux sonores, parce que c'est vraiment, pour les handicapés visuels, une grosse autonomie. Mais je pense que c'est bien important que ce soit seulement les handicapés visuels, parce que le bruit qu'il y a va déranger des fois les gens. Puis le feu n'est pas plus long pour nous autres, pour garder nos feux. C'est très important, là, parce qu'il y en a des fois que ça peut arriver qu'il y a des plaintes. Le son est quand même facilement perceptible, même avec la circulation. Alors, quand il est utilisé inutilement, bien, c'est sûr que ça peut finir par déranger les gens autour, les résidents. Dans les cas où il y a des résidences proches ou les commerces. Le bruit que vous entendez actuellement, qui est discontinué, une fois qu'on va enfoncer, OK, le bouton poussoir va devenir continu. Et ça nous indique que le signal sonore a été activé, qu'on peut se positionner prêt à traverser la rue. Une fois qu'on va entendre notre son, on va pouvoir décoller en toute sécurité. Le son derrière et celui devant nous permet de garder une ligne là, pour pas trop dévier, rentrer dans les voies où il y a de la circulation. Cette année, on en a un en fonction, qui est rentré en fonction sur la rue Loma, qui est tout près des promenades King. Et puis, on a aussi une demande pour en installer un sur la rue Sauvé. C'est beaucoup plus rassurant, quitte à faire une rue de plus pour aller chercher le sonore, moi, je n'hésite pas à le faire, là.